Salut à tous! Avant de plonger dans cette vidéo passionnante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce bleu pour nous montrer votre soutien. C'est rapide et ça nous aide énormément. Allez, c'est parti! Dans l'atmosphère embrumée d'une société en pleine mutation, où les lueurs de la technologie éclairent chaque recoin de notre quotidien, les ombres de la surveillance et de la vie privée dansent un ballet complexe et parfois sinistre. C'est une histoire qui se tisse à travers les fils invisibles du numérique, une toile tissée de secrets et de révélations, où les enjeux de la surveillance de masse se heurtent aux droits individuels avec une force sans pareille. Dans les rues pavées des métropoles modernes, des caméras scrutent chaque mouvement, chaque regard furtif, transformant l'espace public en un théâtre où chaque acte est enregistré, archivés, analysés. Les défenseurs de cette surveillance arguent la nécessité de la sécurité, de la prévention du crime, mais derrière cette façade de protection se cache parfois une réalité bien plus sombre. Car lorsque le regard de Big Brother se pose sur chaque citoyen, lorsque chaque geste est scruté, où donc se cache l'intimité, ce précieux trésor de l'âme humaine? Dans les méandres de l'Internet, des algorithmes voraces traquent nos moindres clics, nos pensées les plus intimes dispersées en pixels sur des serveurs distants. Chaque like, chaque partage, chaque recherche est minutieusement enregistrée, transformant nos profils virtuels en miroirs déformés de notre identité. Et tandis que nous naviguons sur les flots tumultueux de l'information, des géants du web se dressent en sentinelles, prêts à exploiter nos données pour alimenter leurs machines à profit. Pourtant, au milieu de cette marée numérique, des voix s'élèvent, clamant haut et fort le droit sacré à la vie privée. Des militants, des penseurs, des citoyens ordinaires se dressent contre l'omniprésence de la surveillance, brandissant les bannières de la liberté individuelle. Car la vie privée, disent-ils, est le dernier bastion de l'autonomie humaine, le sanctuaire où l'âme peut s'épanouir loin des regards indiscrets. Mais alors que les débats font rage dans les amphithéâtres politiques et les forums en ligne, les lignes entre sécurité et liberté se brouillent. Des lois sont promulguées au nom de la lutte contre le terrorisme, la criminalité, mais à quel prix? Quand les libertés individuelles sont sacrifiées sur l'autel de la surveillance de masse, qui donc est le véritable vainqueur? Dans l'obscurité de cette époque troublée, une seule certitude demeure. Que ce soit dans les rues bondées des villes ou dans les recoins les plus reculés de l'Internet, la lutte pour la préservation de la vie privée est un combat éternel. Un combat pour la dignité humaine, pour la liberté de penser, pour la préservation de ce qui fait de nous des êtres uniques au monde. Et tandis que les technologies évoluent, que les frontières entre le réel et le virtuel s'estompent, cette lutte ne fait que commencer. Et voilà! C'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que vous l'avez appréciée autant que j'ai aimé la créer pour vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Cliquez sur cette petite cloche aussi, juste à côté du bouton d'abonnement, pour recevoir toutes les notifications. Si vous avez des questions, des suggestions ou simplement envie de partager votre avis, laissez un commentaire juste en dessous. J'adore vous lire et répondre à chacun d'entre vous. Vos retours sont vraiment importants pour moi. Enfin, n'oubliez pas le pouce bleu magique juste là sous la vidéo. Ça ne prend qu'une seconde, mais ça fait une énorme différence pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer de vous proposer du contenu de qualité. Un grand merci à vous tous pour votre soutien constant. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires.